Et toi, j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va nickel, les gars. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager les sites les plus utilisés par les grands parieurs. Ils veulent pas que vous connaissiez ces sites-là, mais j'ai décidé de tout balancer et je vais vous présenter ça dans la vidéo. Et croyez-moi, à la fin de la vidéo, si tu t'es pas encore abonné, tu le feras à travers cette vidéo et je sais de quoi je parle. Donc, soyez très attentifs. Tous les sites, je vais pas les lister dans les commentaires, mais je vais vous dévoiler ça au cours de la vidéo. Ou si vous voulez, je vais faire le récap de tous les sites directement sur Telegram. Rejoins-moi sur Telegram, je vais donner tous les sites là-bas. Au cas où tu auras la flamme de tout noter. Donc, sur Telegram, tu vas tout retrouver là-bas très facilement et je vais épingler cela. Donc les gars, voilà, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce qu'ici on parle un peu de tout, argent, ligne, paris, sportif, trading, j'en parle sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le premier site. Donc le premier site, il est juste ici là les gars, c'est une vraie pépite. Ici déjà, comme tu peux bien voir, tu as plus de énormément des prédictions qui ont été effectuées sur ce site. Je vais t'expliquer ça et surtout, il y a des options qui sont cachées sur ce site que je vais te dévoiler. C'est une vraie dinguerie, des options qui sont sûres, vraiment à 99,9%. Je vais te dévoiler ça dans la vidéo parce que c'est un site qui est assez complexe. Donc pour commencer, voilà un peu comment le site s'affiche. Donc là, tu peux toujours cliquer sur plus récent d'ici là pour voir les prédictions du jour tout simplement, tu vois. Tel que là, on voit une belle cote à 5. On nous dit que, voilà, ce match, par exemple, il y aura cette équipe. Donc l'équipe à l'extérieur va gagner ce match à la première période. Voilà, la cote est à 5. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de miser. Si on donne une victoire, toi, tu peux partir sur une double chance tout simplement, d'accord. Ça peut être un peu plus intelligent que tout simplement, tu vois. C'est des cotes à 5. Là, encore une belle cote à 4. Victoire de l'équipe à domicile, tu vois, une cote à 4. Et regardez pourcentage de victoire ici, les gars. Pourcentage de victoire 100%, c'est une vraie dinguerie, tu vois. Mais bien sûr, c'est à prendre au conditionnel. Même si eux ils mettent 100%, tu vas pas te lancer comme ça. Croyez-moi, j'ai déjà fait ce genre de cote ici, je les ai validés plusieurs fois. Mais le plus important, c'est que si on te donne une telle cote, tu peux partir sur une double chance tout simplement. Donc tu n'es pas du tout obligé de miser directement pour la victoire. Mais ils savent pourquoi ils ont mis 100%. Car ils se sont basés sur des analyses approfondies. Voilà pourquoi ils ont conclu que c'est sûr à 100%. Vraiment, c'est une vraie dinguerie. Donc là, victoire à domicile pour Panathinaikos. Voilà, donc tu vois, il y a plusieurs propositions qui sont là. Et là, les gars, comme tu peux voir, tu as une dinguerie, une cote de 26. C'est quel match déjà? Waouh, ça, c'est ce genre de match que moi j'aime. Donc l'équipe à domicile va gagner le match. Une cote à 26, tu imagines la dinguerie? Voyons voir un peu la probabilité de victoire. 100%? Non, mais tu te fous de ma gueule là. 100% probabilité de victoire, cote 26. Bref, moi, ce genre de truc, ce que je peux faire, c'est quoi? Peut-être donner 2 buts à l'équipe qui joue à domicile, donc l'équipe qui est censée gagner, tu vois. Je lui donne une double chance, ou soit je vais lui donner l'avance de 3 buts, on ne sait jamais. Parce que même si je lui donne l'avance de 3 buts, je pense que je peux rester dans les cotes de 4, voire 2, ou plutôt 3. Tu vois, moi, je me dis que c'est le meilleur pronostic que je puisse faire pour ce genre de coupon, tout simplement, d'accord? Donc, voilà un peu pour le préambule du site. Maintenant là, je te montre les options super cachées. Donc tout en bas ici là, une barre qui est là à gauche, tu vois, qui est ici là, tu vois, BTTS. Ça veut dire que les deux équipes vont marquer. Ça veut dire que ce sont des pronostics spécialement basés sur les deux équipes vont marquer, tel que là Allemagne. En Allemagne, vraiment, faut pas douter, là-bas ils marquent des buts n'importe comment. Vraiment là-bas c'est fort. Amérique, c'est top. Là, c'est quel championnat déjà américain? Là, on m'a dit que les deux équipes vont marquer. Donc, ça, ce sont des pronostics qui concernent uniquement les deux équipes vont marquer, tu vois. Donc, il y a des pronostics qui sont super, vraiment bien détaillés ici, là. Après, la victoire à domicile, victoire à l'extérieur, 1,5. Paris combiné. Donc, voici mon premier truc que je tenais à te partager, c'est ça. Mais c'est pas d'abord ça. J'ai un truc que je vais te montrer tout à l'heure. C'est beaucoup plus dingue que ça, d'accord? Ici, c'est quoi? Ce sont des paris combinés tout simplement, tu vois. Donc voilà des cotes combinées aujourd'hui où tu as une belle cote qui est à 11, tu vois. Donc, cote basée sur les statistiques. Donc, tu vois, tout est là. Tu as une belle cote à 11. Donc, voilà. Plutôt, la cote, c'est 5. Voilà, je crois bien que c'est 5. Attendez, je crois bien que c'est celle-là, la cote. Ouais, c'est ça. Donc, la cote, c'est celle-là, la cote à 11 ici, tu vois. Donc, il y a des propositions qui ont été effectuées ici, tu vois, under 3,5 goals, donc fiabilité 95%, donc moins de 3,5 buts. Là, on me dit que over 3,5 buts, tu vois. Donc, là, on parle de 4 buts dans le match. Moi, je peux partir sur 1,5 but parce qu'on a une belle cote quand même qui est à 2,50. Elle reste quand même assez élevée. Mais moi, pour être plus intelligent, je peux partir sur 1,5 tout simplement, tu vois. 1,5 buts. Là, on me dit que moins de 3,5 buts, fiabilité 79%. Voilà. Tu as compris le principe et tu as plusieurs combinaisons qui ont été effectuées ici et là, tu vois. Donc, je vous rappelle que tous ces sites, vous allez retrouver ça sur mon canal Telegram. Je vais poster tout là-bas gratuitement. Je vais épingler ça même. Tu rejoins et tu auras tous ces sites gratuitement, tu vois. Et tu as plusieurs combinaisons qui sont effectuées ici. Là, une combinaison avec une cote à 3, tu vois.
Donc là, c'est à 81%, 61%, 100%, une vraie dinguerie, tu vois ou pas? Donc là, tu as 89%. Donc en gros, c'est un site qui est super génial et il est super complet, tu vois. Rien avec ce site, franchement, tu n'auras plus à te taper la tête, à analyser des matchs et tout. Rien qu'avec ça, tu auras vraiment des aperçus sur le résultat d'un match en fonction de tout ça, d'accord? Et après, ici, là, tu as ce qu'on appelle les scores exacts. Mais ça aussi, c'est pas toujours ce que moi, je tiens à vous présenter. Donc ce que je vais vous présenter, ça va bientôt venir, mais c'est pas du tout ça. Donc là également, ce sont des propositions des scores exacts qui ont été donnés en fonction des mises effectuées, d'accord? Donc bien évidemment basé sur des stats aussi. Donc là par exemple, score prédit 3-0, le deuxième score le plus probable c'est 5-0, tu vois. Donc en gros, avec ce match, ça confirme carrément qu'il y aura maximum 3 buts dans le match, disons minimum 3 buts dans le match, mais moi je suis pas obligé de partir sur ces scores là, je peux miser sur le nombre de buts, je veux donner la victoire pour celui qui est censé gagner tout simplement. Pour ce match également, c'est, je sais pas quel est ce match, un but partout, bien deux buts partout, ça confirme un match nul, tu vois. Donc ça c'est le score le plus, donc le premier score qui arrive, et ça c'est le deuxième qui arrive aussi. Donc un match nul, ou bien les deux équipes vont marquer, voilà, tu as compris le principe. Et après tu as d'autres scores qui sont ici, voilà. Tu vois, il y a plein de scores qui te sont proposés ici, là. Tu peux avoir accès aussi directement sur ton téléphone. Mais moi, j'ai préféré présenter ça sur un ordinateur pour avoir une vision beaucoup plus large, tout simplement. D'accord? Donc, tout est là. D'accord? Et maintenant, ce que je tenais à vous proposer, c'est quoi? À vous montrer qui est vraiment sur 99%. Donc, lorsque vous allez avoir accès à ce site, ne vous inquiétez pas, je vais vous dévoiler ça tout à l'heure dans la même vidéo. Vous allez venir au niveau de recherche match ici, là. D'accord? Donc, lorsque tu vas venir au niveau de rechercher le match, juste ici, là. D'accord? Je te montre ça. Donc, le site, c'est tout simplement footystat.org. Voilà le nom du site qui est juste ici, là, les gars. Donc, notez-le. Donc, voilà, tu ne vas pas te tromper. Le site s'appelle footystat.org. Donc, une fois que tu es sur footystat.org, tu vas tout simplement défiler au niveau de recherche match ici, là. Et là, c'est une vraie dinguerie. Ici, c'est quoi? Comme tu peux bien voir, ici, le site a répertorié les matchs et un fort potentiel. Ici, par exemple, on me dit que 1,5, c'est sûr à 70%. Donc, c'est cette équipe-là. Donc, Cuenca face à Technique, je ne sais pas quoi, ça se joue en Colombie, tout simplement, tu vois. Donc, tout est là. Donc, là, moyenne de but 2,6 dans le match. Donc, les deux équipes, donc ça, c'est le BTTS, ça veut dire que les deux équipes vont marquer dans le match, d'accord? Donc, la probabilité est de 53%. 1,5, c'est plutôt 70%. C'est pas comme, bah, ça peut quand même passer, tu vois, mais il y a des trucs qui sont sur à 100% tel que ça, tu vois ou pas? Là, on me dit ici que c'est un match qui se joue au Buriton, je crois bien, d'accord? Donc, 1,5, c'est sûr à 100%. Les deux équipes vont marquer. Fiabilité 75%. 2,5 buts, fiabilité 75%, donc tout est là, tu vois. Donc il y a des colonnes qui sont là, 1,5 fiabilité 100%, 2,5 buts, fiabilité 75%, tu vois. Et après, voilà, tu vas faire tes analyses. Là, on a 84%. Donc, moi, je te montre ma technique, comment ça marche. C'est assez simple, tu vois. Moi, ce que je cherche, admettons, si je vais miser sur le nombre de buts, soit 1,5 buts ou bien 2,5 buts, je cherche à ce que ces options-là soient au moins comme ça en termes de pourcentage. Tu vois, ici, par exemple, si je veux miser sur 1,5 buts, je veux commencer par voir le BTTS. Donc, les deux équipes vont marquer dans le match. Si c'est à partir de 70%, tel qu'ici, là, c'est à 75%, c'est le premier indicateur. Deuxième indicateur, le 1,5, si c'est sûr à 100%, au moins 10%. À 100% ou bien à partir de 90%, je me dis qu'on peut avoir au moins 1,5 buts dans le match, tu vois. Donc moi, lorsqu'ici j'ai un pourcentage qui est supérieur à 70%, là je suis à 100%, là 75%, je me dis que le 1,5, ça peut passer parce que les pourcentages sont super élevés. C'est un peu le même cas ici, tu vois qu'ici les deux équipes peuvent marquer, fiabilité 75%, là 1,5 buts dans le match, fiabilité aussi 75%, c'est également, ça peut passer. Par contre, 3 buts dans le match, tu vois que c'est un peu down, c'est à 50%, tu vois ou pas, c'est pas assez top, tout simplement, tu vois. Donc c'est un site qui est super génial et je pense que ça peut énormément t'aider. Donc le premier site s'appelle footystat.org, ça peut t'aider, tu peux avoir accès à ça sur mobile, c'est super nickel. Donc ça c'était le premier site et là on va passer directement au deuxième site. Ok les gars, donc le deuxième site s'appelle, c'est celui que tu es en train de voir actuellement. Sorry, je viens de cliquer un peu n'importe où. Donc voilà le deuxième site qui est là. Ici, comme vous pouvez bien voir, je vais t'expliquer le site, comment il fonctionne. C'est une vraie dinguerie également. Ici, non seulement tu auras des pronostics, mais tu auras la possibilité aussi de comparer des cotes en fonction d'autres bookmakers, tout simplement. Je t'explique. Donc, ici, voilà les matchs qui sont là. Donc les pronostics du jour, comme tu peux bien voir, voilà, il y a plein de matchs qui sont là. D'accord? Ça, on gère pas. Ça, c'est juste des pubs sur des bookmakers. Donc on va prendre un match au hasard. Admettons le match 2.
Galatasaray face à Mol, tout simplement. Ici, comme tu peux bien voir, donc là, je suis sur la section pronostic, tu vois. Ça veut dire que le site va analyser le match lui-même. Après, il fera un pronostic, tout simplement. Donc, ici, tout en bas, tu auras des informations très, très importantes. Surtout pour nous qui utilisons ChatGPT, tu peux venir prendre aussi des informations sur ce site pour avoir des pronostics, tout simplement, tu vois. Donc, ici, franchement, eux, ils font leur possible de bien décortiquer le match. Et c'est super puissant, tout simplement. Donc, tu auras plusieurs informations ici sur le match, comme tu peux bien voir ici. Donc, les meilleurs codes pour parier sur ce match. Bon, là déjà c'est une comparaison en termes de coach, tout simplement. Tu vois que pour Galatasaray, là on a 1,60, 1,58, voilà, tu as compris le principe. Et là le match, c'est toujours des stats, et tout en bas tu auras ce qu'on appelle leur pronostic, tout simplement. D'accord, tu vas chercher ici, c'est pas toujours ici là. Notre pronostic sur Galatasaray, grâce à une réalisation et je sais pas quoi dans le temps additionnel, là, voilà, a réussi le coup parfait en Norvège contre cette équipe de Molde, voilà. Donc lui dit victoire de Galatasaray contre voilà. Donc en gros pour lui, Galatasaray va gagner le match, tout simplement, en fonction de toutes les analyses qu'il t'a données juste ici là. D'accord, donc c'est un site qui est super complet. Maintenant, comment faire pour comparer un peu les cotes? Tu vas venir au niveau des cotes ici là, juste au milieu ici là, je t'explique. Donc au niveau des cotes ici, tu vas comparer des cotes en fonction d'autres bookmakers, et c'est très utile en fait pour avoir une vision sur le match. Que pensent d'autres bookmakers? Je vais te montrer deux trois trucs. Donc ici, comme tu peux bien voir, ça c'est en termes de victoire, voilà, match nul, victoire de l'équipe à l'extérieur. Là on dit cote pour une victoire à la première période pour Galatasaray, tu vois la cote à 1,92 sur Unibet, sur Zbet 1,92, voilà, tu as compris. Là c'est plus de 2,5 buts dans le match, tu vois. Plus ou moins 2,5, tu vois. Donc là, le bookmaker, là, on dit moins de 2,5 plus 2,5. Donc sur Zbet, le 2,5, la cote est à 2,2. Donc moins de 2,5, la cote est à 2,2. Là, sur 2,5, la cote est à 1,50. Sur Unibet, après, voilà, tu as d'autres bookmakers qui sont ici. Donc là, c'est cote plus ou moins un but dans le match. Donc les cotes sont vraiment super. Donc moins de 0,5, tu vois. La cote est à 14. Pour qu'il y ait un but au moins, tu vois, la cote est à 1,02. C'est super petit. Pour moi, ce que je tiens à vous montrer quand même pour avoir une vision beaucoup plus large. Donc je vais vous laisser explorer le site. Ça va vous aider à voir. Voilà, c'est au niveau des scores exacts, tu vois. Donc, lorsque tu analyses le match, admettons, tu as une prédiction avec ChatGPT. Moi, par exemple, pour ce match, j'avais prédit qu'ils vont faire 2-1. Donc, moi, si je vais au niveau de ce stat ici, déjà ici, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la petite cote qui va s'afficher ici, là, tu vois. Donc, là, j'ai quoi? 7,15. Là, j'ai 7,25. D'accord? Je vais noter ça. Je vais chercher plus petit que ça. 7,25, 7,25. Donc, il y a les deux là. Avec les deux là, tu vois, c'est les scores exacts et on a la plus petite cote. Voilà. Avec ces deux là. Donc, en gros, le match tourne quasiment autour de 1,5 but. Donc, rien qu'avec ça, tu as déjà l'aperçu du match sans voir. Et lorsque je clique sur ça, et tu attends, non pas ici, non ici là, désolé. Donc je vais cliquer au niveau de la flèche juste en bas ici là. Donc au niveau, nous on est ici là, d'accord. Donc, on va cliquer sur la petite flèche juste ici là, d'accord. Et là tu peux voir un peu, tu vois. Donc là on est, je suis sur le score de 1 but partout, d'accord. Le score de 1 but partout sur Winamax, la cote est à 7,25. Sur Parion Sport c'est 7. Sur voilà, EVBet, je sais pas quoi là, c'est 6. Puis voilà, bon, d'accord. Et lorsque je viens sur 2-1, ce que moi le score que j'ai prédit, tu vois qu'ici c'est un peu la même chose, tu vois. Donc les codes sont là, ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Mais toi, si tu veux savoir quel est le nom du site, c'est super simple. Le site s'appelle tout simplement sporttrader.com, d'accord. Donc SpotiTrader, le nom il est juste ici là, comme tu peux bien voir. Donc SpotiTrader.com, c'est un site où tu pourras avoir tout ça gratuitement et utiliser à bon escient, tout simplement. Et le dernier site, bon, que je vais te présenter, certainement tu le connais déjà parce que je l'ai présenté pas mal de fois, c'est un site qui va tout simplement te permettre d'avoir, bon, je n'ai pas encore présenté ce site. Donc, vous allez venir sur scoreway.com, tout simplement. Donc là également, c'est un site qui est super puissant, qui peut aussi t'aider à avoir des données d'un match, des statistiques, des informations sur le match en question, des trucs comme ça, voilà. Franchement, c'est super puissant. Par contre, il y a un truc que je dois vous montrer qui est sur ce site que moi j'apprécie vraiment bien. Attendez, on va rechercher ça ensemble, voilà, comme ça. Ok les gars, donc je vous montre ça. Alors vous allez venir au niveau de, attendez, je vais fermer la publicité qui est juste ici. Donc vous allez venir tout simplement au niveau de informations sur les paris, et je vais vous montrer, il y a une option, franchement à tous les coups ça passe. Je vous dis qu'à tous les coups ça passe, je sais de quoi je parle, tout simplement, d'accord. Donc lorsque vous êtes ici ils vont décortiquer un match avec une option qui arrive quasiment tout le temps lorsque ces deux équipes là s'affrontent. Donc ici par exemple c'est la série B, comme tu peux bien voir ici là, d'accord, série B.
Donc ici, vous pouvez voir que ce match c'est la série B. Le match c'est Ascoli face à cette équipe que tu es en train de voir actuellement, d'accord. Donc ici, admettons, tu vois qu'ici il a perdu 4 de ses derniers matchs consécutifs. Voilà, résultat dit au moins un but en première mi-temps a été marqué lors de 5 dernières de ce match en fait. Tu vois, donc de cette équipe là, tu vois. Donc tout ça aussi, je vais vous laisser découvrir. Mais franchement, ici, ils arrivent à mieux résumer certains matchs et pour moi, c'est super intéressant. Je vous jure, venez découvrir ça. Le site, comme j'ai dit, ça s'appelle voilà, c'est soccerway.com tout simplement. Donc soccerway, le site, il est juste ici là, tu vois. Donc c'est soccerway.com. Donc si tu viens sur ce site, tu auras toutes ces informations. Je vais vous laisser découvrir cela et après voilà, on pourra mieux s'échanger. Donc pour moi, ça sera tout. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, ça sera tout. On se dit à bientôt et salut.